Tout à l'heure, Frédéric Coulet faisait allusion au rapport que j'ai remis à la ministre de l'Enseignement supérieur et en réalité indirectement à la ministre de la Santé sur l'expertise sanitaire en décembre 2019. Donc c'était juste avant le Covid, dont évidemment je ne risquais pas de parler. Pour n'être pas trop long, je résume les 5 constatations qui m'avait le plus frappé à propos des expertises organisées, notamment dans le cadre des agences sanitaires françaises. Le premier constat est triste, c'est celui d'un système d'expertise publique, notamment dans le domaine sanitaire, mais aussi alimentaire et environnemental, de plus en plus sophistiqué, qui s'efforce d'être conforme aux standards internationaux et qu'il est, mais qui ne réussit absolument pas à créer la confiance dans l'opinion publique. Le deuxième constat qui était très partagé par mes interlocuteurs était que l'expert indépendant n'existe pas. L'expert véritablement indépendant n'existe pas et tout l'enjeu est donc de parvenir à une expertise qui soit et qui paraisse indépendante, menée par des experts dont aucun ne peut être indépendant. Le troisième point sur lequel j'insistais est que quiconque est compétent, a vocation à être expert ou entendu par un comité d'expertise, la compétence étant à mes yeux la qualité première de la qualité de l'expertise, bien entendu avec toutes les précautions de transparence, de lutte contre les conflits d'intérêts qui sont nécessaires. Dernière observation que je faisais est que le système d'expertise français fonctionnait beaucoup trop en vase clos, qu'il fallait absolument l'aérer, l'ouvrir vers la société civile, mais qu'on n'y parviendrait pas et qu'on ne recréerait pas la confiance par des procédés législatifs ou réglementaires. C'est un propos qui peut surprendre dans la bouche d'un juriste, mais qui en réalité est tout à fait à sa place, je crois, dans la bouche d'un juriste. Et il s'agissait bien davantage, pour recréer la confiance, d'avoir une réflexion publique de trouver des bonnes pratiques que je suggérais dans 35 recommandations, que de modifier une nouvelle fois la législation. Ce rapport, me semblait-il, avait été pas mal accueilli par les agences, mais évidemment, il a été tué par la Covid parce qu'elles ont eu autre chose à faire que de s'occuper de le mettre en œuvre. Alors, ce rapport était pré-Covid et visait essentiellement les comités d'expertise qui fonctionnent dans le cadre des agences, pas la situation que nous connaissons actuellement. Et Frédéric Coulet me demandait en quoi ce qu'on peut observer depuis un an avec la Covid peut-il confirmer, invalider, nuancer, modifier vos conclusions? De manière générale, je dirais qu'il m'a semblé que la crise les confirmait plutôt, mais les nuançait fortement et amenait à les prolonger. Alors, pour n'être pas trop long, je voudrais évoquer les 5 points qui me paraissent les plus frappants. Bon, le premier vient d'être évoqué par Mme Virginie Pirard, et il est d'ailleurs évident, et c'est l'extrême incertitude scientifique dans laquelle on se trouve maintenant et dans laquelle on se trouve toujours. Et là, ça m'a rappelé des souvenirs qui m'avaient beaucoup frappé et qui m'avaient beaucoup instruit. J'ai pendant longtemps siégé à ce qui était à l'époque le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, l'ancêtre de l'actuel Conseil supérieur de santé publique. Et j'ai eu la chance, si je puis dire, m'y trouvant le seul juriste parmi une cinquantaine de médecins, d'y être au moment du SRAS, au moment du H1N1, du H5N1. Et là, j'ai vu concrètement ce que pouvait signifier la certitude scientifique quand il s'agit de décider. Si je puis évoquer un souvenir personnel, je me rappelle une séance, on se plaçait au hasard dans cette grande salle du ministère de la Santé, et le hasard m'avait placé entre deux des plus éminents virologues français de l'époque. Et l'un, c'était à propos, je crois, du SRAS, me disait dans l'oreille droite,
Tout ce bruit est ridicule, il ne se passera rien, c'est une grippette. Et l'autre dans l'oreille gauche, tout aussi éminent, me disait exactement au même moment, ça va être une catastrophe épouvantable, on sous-estime complètement le risque, on ne prend pas des mesures. Et je me disais, mais mon Dieu, si j'étais le ministre, comment je déciderais alors que les meilleurs experts sont aussi totalement divisés? Ce qui m'a d'ailleurs rendu extrêmement indulgent avec envers tous les ministres de la Santé par la suite. Le deuxième point, évidemment très frappant dans la crise actuelle, c'est d'abord l'extrême gravité de la crise. Il y a très longtemps, peut-être avec la grippe de Hong Kong, ou en tout cas la grippe espagnole, mais il y a un siècle, il y a très longtemps que nos pays n'avaient pas connu une menace sanitaire aussi grave. Et le tout dans une situation d'urgence, qui a aussi été évoquée par Mme Pirard et qui pèse extrêmement lourd, bien entendu, sur le processus d'expertise et de décision. Alors que les connaissances changent tous les 8 jours sur la COVID, eh bien, il faut adapter les expertises tous les 8 jours. Et c'est extrêmement difficile, bien entendu. Ça explique d'ailleurs qu'en France, dans un premier temps, les organes consultatifs habituels, la Haute Autorité de Santé, le Conseil supérieur, le Haut Conseil de Santé publique, etc., étaient très peu audibles et très peu entendus au profit du Conseil scientifique créé en urgence par le président de la République, avec un statut juridique incertain, mais peu importe. Les organismes habituels ont été mis sur la touche et leur reste un peu moins maintenant, mais tout de même, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de se réunir, de travailler habituellement. Donc nous avons là un type d'expertise que je n'avais pas étudié, qui est celui de l'extrême incertitude, de l'extrême gravité et de l'extrême urgence. Le troisième point, alors là ça change beaucoup de ce que j'avais constaté, est qu'il est frappant de voir combien la question de l'indépendance des experts qui conseillent le gouvernement sur la COVID ou la présence de conflits d'intérêts est absente du débat public. Ça me frappe beaucoup parce qu'en général, pour la moindre expertise, ces questions sont soulevées, suscitent de l'indignation. Et là, rien, il y a bien eu une médiocre tentative du professeur Didier Raoult pour évoquer des conflits d'intérêts. Mais ça n'a pas prospéré, alors que généralement, ça s'enflamme tout de suite. Là, non, on n'en parle pas, on n'en parle pas sans doute parce que je dirais presque peu importe, c'est même plus le sujet. Le sujet, c'est l'urgence, c'est la gravité, et aussi parce qu'en l'absence de traitement, l'industrie pharmaceutique, finalement, était assez peu présente dans le système et assez peu suspecte de polluer le processus de décision. Le troisième point qui me frappe aussi, parce que ça c'est relativement nouveau aussi, c'est l'émergence de l'expertise, alors de manière presque ridicule, sinon même insupportable, à la longue. De l'expertise sur les chaînes de télévision d'information continue. Et nous les voyons tous, si du moins on a encore le courage de les regarder et de les écouter, se déchirer, dire tout et son contraire. Alors on me dira, ce n'est pas de l'expertise scientifique. Non, ce n'est pas de l'expertise scientifique. Mais elle n'en reste pas moins qu'elle est menée, qu'elle est confiée par les chaînes en vertu de leur choix et de leur liberté d'expression, à des gens qui sont présentés comme des experts, qui le sont, je pense, la plupart du temps, et dont quelques-uns d'ailleurs sont membres du conseil scientifique. Et là, je pense que c'est fâcheux parce que ça risque de discréditer à tort l'expertise sanitaire dans l'opinion publique. Alors, le dernier point que je veux aborder, c'est l'expert est-il décideur? Les experts sont-ils décideurs? Alors, dans mon rapport, je réponds
L'expert est pratiquement toujours décideur, sauf dans quelques cas. Et nous nous trouvons précisément dans l'un de ces quelques cas. L'expert, ai-je constaté, et ça n'a pas été nié lors des auditions auxquelles j'ai procédé, près de 72 personnes et institutions, l'expert est en réalité décideur dans la plupart des cas, parce que quand il s'agit d'expertise sur un produit, sur un procédé, sur une méthode. Alors bien sûr, il n'est jamais juridiquement décideur, puisqu'il ne fait que donner un avis à l'autorité politique ou administrative qui décidera, mais il est très clair que dans le processus de décision, l'avis de l'expert ou du comité d'experts en réalité fige la décision, cristallise la décision. Et j'ai pu constater qu'il était absolument exceptionnel que l'autorité administrative compétente de ce que lui recommandaient les experts. Je me rappelle le directeur général de l'ANSM, celui de l'époque, il a changé il y a peu de temps, nous disait que depuis qu'il était à l'ANSM, il s'était écarté de l'avis des comités d'expertise une seule fois et que ça n'était pas passé sur des centaines ou des milliers, je ne sais pas, et ça n'était pas passé inaperçu, évidemment, au sein de l'institution. Alors, la situation était différente et on le voit bien. Et en cas d'incertitude scientifique ou sur les problèmes de société, j'ai siégé, oh, pas très longtemps, mais j'ai siégé au comité consultatif national d'éthique, par exemple au moment où nous nous penchions sur l'affaire Lambert et sur la fin de vie. Et jamais, jamais, parce que c'est un problème sociétal, je n'ai eu l'impression, non plus que mes collègues, je crois, que nous étions le moins du monde décideurs. Nous savions parfaitement bien que ce serait au pouvoir politique de prendre ses responsabilités. Là, en matière de Covid, et l'actualité la plus récente le montre, on voit bien que le pouvoir politique décide et qu'il décide éventuellement en s'écartant de l'avis des experts et notamment du conseil scientifique. Dans son avis du 31 janvier, le conseil scientifique recommandait au gouvernement, privilégiait dans ses recommandations au gouvernement deux scénarios. L'un qui était couvre-feu national à 18 h et confinement des régions les plus touchées. Le second qui était un confinement tel que celui que nous avons connu en octobre, c'est-à-dire sans fermeture des établissements scolaires. Parmi les quatre scénarios qu'il envisageait. Et l'on a bien vu que le Premier ministre, jeudi dernier, je crois, s'est écarté des recommandations du Conseil scientifique, et je dirais qu'à mon avis, il avait raison de le faire. Alors, raison sur le plan sanitaire, j'en sais rien, j'espère bien qu'il a eu raison et qu'on ne sera pas tous reconfinés, mais sur le plan juridique et politique, il a eu raison de le faire, non pas tellement pour affirmer que dans des circonstances aussi graves, c'est le pouvoir politique démocratiquement désigné qui doit statuer, mais aussi parce que je crois qu'il est important de bien voir que même dans des situations aussi graves, on ne peut pas tout sacrifier à l'intérêt de la santé publique. Et qu'il y a d'autres considérations qu'il appartient au pouvoir politique de retenir, le moral des Français, l'intérêt de l'économie, la lassitude, la crainte de désobéissance civique. Ce n'est pas en effet un conseil scientifique d'entrer dans ces considérations-là. Lui, il se place sur le plan qui est le sien, c'est celui de l'évolution de la situation sanitaire, même s'il aborde ces autres considérations. Mais il éclaire le gouvernement et le président de la République, et ces derniers décident bien sûr en fonction de ce que le Conseil lui a conseillé et des informations qu'il lui a données, mais aussi en fonction des enjeux politiques qui sont les siens. Alors, c'est un pari. Toute décision dans une situation de crise,
Comme d'ailleurs toute mesure de police administrative, je m'adresse là aux juristes, c'est toujours un pari, et c'est un pari qui est presque toujours perdant. Enfin, je veux dire par là que, mais c'est vrai, je le répète, de n'importe quelle mesure de police administrative, ou bien l'autorité de police, et ici le Premier ministre est une autorité de police, ou bien le Premier ministre l'autorité de police prend une décision qui évite le drame, mais ça peut être vrai tout simplement de l'installation d'un feu tricolore à un carrefour dangereux, et qui évite de nouveaux accidents. Et dans le fond, personne ne lui en saura gré parce que personne ne saura à quoi on a échappé. Et l'autorité de police elle-même ne le saura pas. Alors que si la mesure de police est inadéquate, insuffisante, enfin qu'elle rate son coup ou qu'elle est absente, tout le monde le verra. Tout le monde verra les accidents ou tout le monde verra qu'il faut reconfiner de manière très stricte. Et bien entendu, tout le monde le reprochera à l'autorité de police. Il y a une asymétrie d'information en ce domaine qui est très forte, qui est inéluctable, qui ne conduit pas à plaindre les autorités de police parce que c'est leur fonction et que personne ne les obligeait à remplir ce rôle. Mais dans tout de même, au moment où on fait un bilan et des critiques, il faut tenir compte. Voilà ce que je voulais dire sans. Alors, apparemment, vous m'avez entendu, moi je n'entends rien, je me tais un peu au hasard, on vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Didier Truchet. Je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, dans le cadre de votre intervention, il y a eu naturellement tous les aspects institutionnels de l'expertise qui ont été évoqués et déjà Virginie avait souligné les problématiques autour de l'organisation d'État unitaire ou d'État fédéral qui surgissaient dans le cas belge. Moi, j'ai été assez frappée par les experts qui vont en effet s'exprimer sur les chaînes d'information en continu et qui livrent des vérités qu'il est possible d'entendre à l'heure du souper. Est-ce que vous voyez un moyen de limiter finalement cette expertise qui n'en est pas une, qui nuit considérablement quand même à l'information scientifique dans le respect des libertés? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement face à ça? Est-ce que vous avez des idées? Des idées, non, parce que je crois que tout remède serait encore pire que le mal. Je me souviens que lors des auditions que j'évoquais, ce sont des associations de patients, de grandes fédérations d'associations de patients, qui m'avaient dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas proposer que le législateur adopte une définition de l'expert, de telle manière qu'il y ait un pool d'experts labellisés? Alors, la question était intéressante parce qu'elle émanait de gens sérieux, mais j'ai bien compris que, en réalité, ces personnes qui m'en parlaient le faisaient pour être mieux reconnues au sein même de leur association, qu'elles obtiennent des pouvoirs publics une étiquette expert et qui leur donnerait davantage de crédit en interne. Bon. Dans mon rapport, je déconseille absolument de définir l'expert, pour toutes sortes de raisons qui seraient trop longues de. À quoi bon? Et comment définir, avec les problèmes de qualification juridique, les problèmes de frontières que ça ne manquerait pas de poser, puis qui est expert en quoi? Quelle est la bonne granulométrie de l'expert? Est-ce qu'on est expert à vie? Est-ce qu'on est expert pendant 6 mois? Donc, je crois que l'une des solutions qui m'avait été suggérée avant la crise du Covid, définir l'expert, est mauvaise. Alors, ensuite, toute autre solution, ce serait porter une atteinte grave à la liberté de communication.
Les chaînes choisissent qui elles veulent, avec des garanties certes très faibles de compétences. Elles choisissent qui elles veulent et les experts acceptent ou n'acceptent pas. Et manifestement, ils acceptent. Et ils acceptent très volontiers. Et je pense que la médecine française a donné là, dans la crise du Covid, la meilleure et la pire image. La meilleure image, c'est le soignant qui s'est démené et qui se démène toujours pour sauver des malades. La pire, ce sont ces médecins sans doute éminents, certainement éminents, qui se font piéger en réalité par manque de formation. Et ils se piègent eux-mêmes, plus exactement. Alors, ils vont se répandre sur les chaînes de télévision, ils sont tout contents. Certains pourraient penser qu'il ferait mieux d'être au chevet du malade, mais ce serait de faire du mauvais esprit, et je n'ose pas. Ils se répandent, et ils sont contents, et ils se rendent pas compte que certains, mon expression est sans doute excessive, c'est un sentiment d'exaspération personnelle que j'exprime, que certains se ridiculisent. Alors, on m'a dit à plusieurs reprises, et je crois que ça vient d'apparaître dans le chat, oui, mais ce n'est pas de la connaissance scientifique qu'il délivre. C'est une forme de leur connaissance scientifique, sans doute la vulgarise-t-il, mais enfin, et par ailleurs, ces gens que nous voyons occupent des positions importantes, ils sont professeurs, chefs de service. Alors, je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait en France autant de virologues, d'épidémiologues, de médecins de santé publique. C'est presque comme l'épidémie elle-même, ça prolifère. Ce sont des gens qui ont l'air sérieux. Quelques-uns que l'on voit sur les chaînes de télévision sont membres du conseil scientifique. Et donc, on peut dire, ce n'est pas de la vraie science, on m'a déjà dit. Oui, mais aux yeux du grand public, aux yeux de moi-même, c'est de la science. Et j'ai peur que cela déconsidère l'expertise. Mais je ne trouve pas de bonne solution conforme aux libertés, et si ce n'est qu'il faudrait peut-être former nos ologues de toute nature, virologues, épidémiologues, à l'usage des médias. Mais ça, l'accepteront-ils? Ils ont quand même un certain ego. Alors si, psychologie anti-égo, oui, ça c'est une solution. Alors, il est certain qu'ils n'ont pas été formés à cet exercice qui comporte sa part de risque, en effet.